Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd. Qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. La fête d'un martyr, aujourd'hui Saint Laurent, nous questionne toujours sur notre vie et notre propre foi. Serais-je capable de vivre ma foi jusqu'au don de ma vie? Est-ce que j'en ai même envie? Après tout, j'ai une famille qui compte sur moi, j'ai plein de choses importantes à faire pour faire le bien autour de moi. Avec l'image du grain de blé, Jésus nous aide à voir plus largement. Oui, nous sommes tous appelés à porter du fruit, et oui, nous sommes appelés à donner notre vie. Mais la manière de faire ne dépend pas de nous, comme les fruits que nous porterons dépendent de Dieu et pas uniquement de nous. Alors que faire? Eh bien, c'est aujourd'hui que nous pouvons donner notre vie, dans nos tâches et nos activités quotidiennes. C'est à cela que le Seigneur nous appelle aujourd'hui. Pour demain, on verra. Que les anges te conduisent, les saints et les martyrs te reçoivent, qu'ils t'accueillent dans la cité sainte Jérusalem, au son mélodieux des cœurs angéliques. Que le Christ Jésus, lui qui est mort pour toi, te comble de la vie en plénitude. Dieu,
angéliques, que le Christ Jésus.